L'Algérie, il nous reste encore quelques minutes, monsieur Mohsen Belabbès. Il y a 182, aux dernières nouvelles, candidats à la candidature devant le ministère de l'Intérieur. Bousculade, et on a vu beaucoup de monde parler devant les caméras. Certains voudraient manger des steaks, d'autres voudraient créer un avion avec de la terre, etc. Vous pensez quoi de ce phénomène de bousculade? Est-ce qu'en Algérie, tout le monde peut devenir président? Non, d'abord, ce que j'ai remarqué le plus dans cette affaire de candidature d'un certain nombre d'Algériens, j'ai essayé de l'analyser. J'ai vu qu'une partie parmi ces candidats, c'est moi, je pense qu'ils ont un problème psychiatrique. Moi, j'ai même reçu deux candidats au siège du RCD qui ont demandé le soutien du RCD. C'est des inconnus au bataillon. Ils sont en train de faire la tournée des partis politiques aussi. Une autre partie parmi ces candidats, c'est des gens qui ont été envoyés par d'autres candidats pour récupérer les formulaires. Parce qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, ils ne donnent pas le nombre de formulaires nécessaires pour réussir une opération de collecte de signatures Pas soixante, sérieuses. ils doivent dans combien? Pas 60 000, combien? Non, ils ne donnent jamais 60 000 d'un coup. Ah, c'est en fractionnant. C'est en fractionnant. Donc il y a des candidats qui sous-traitent pour d'autres. Il y a des codes d'État qui se trappent. Et c'est normal parce que Oui. vous êtes candidat sérieux. Vous partez au Oui. ministère de l'Intérieur, on vous donne, on va dire, un maximum de 10 000 formulaires. Vous voulez investir les 48 wilayas dès le départ parce que vous ne savez pas quels sont les 25 wilayas dans lesquels vous allez réussir cette opération. Oui. Donc vous devez mettre un minimum de 1 500 formulaires sur les 48 wilayas au départ. Et Oui. encore, parce qu'il faut compter le nombre de formulaires qui vont être déchirés, Des qui vont être blancs, oui. raturés, Ouais. etc. etc. Vous n'y avez pas les 48, les 60 000 formulaires dès le départ. Donc vous faites appel à un certain nombre de voisins, de cousins, vous les envoyez récupérer des formulaires. Au ministère de l'Intérieur, je pense qu'ils ont compris le malaise, ils leur donnent des paquets de 1 000, de 2 000, mais jamais plus de 3 000 formulaires, justement pour ces candidats qui sont perçus comme des candidats qui ne sont pas sérieux. Moi, je pense aussi il y a une volonté du pouvoir d'exploiter cette image, cette chaîne d'un certain nombre d'Algériens devant le ministère de l'Intérieur pour discréditer un peu plus, parce que l'opposition, ils sont perçus comme des opposants. Ils viennent pour remplacer le chef de l'État, En place, en chef de place. l'État Ouais. en place. Par contre, ce qui est amusant dans cette affaire, c'est qu'en regardant les réseaux sociaux, c'est que ces candidats sont plus connus qu'un certain nombre de candidats qui prétendent être l'alternative. Vous pensez à Ici, qui? je pense à tous les candidats. Moi, j'ai suivi, par exemple, le buzz qui a été réussi par, je prends par exemple le dernier en date, le candidat de Constantine. Je pense que c'est un comédien. J'ai le papillon rouge. Oui, ces Ouais, vidéos, bonne année, ces oui. vidéos dépassent les 2 millions de vues Ils ont fait le sur les buzz. réseaux. Ils font le buzz. Donc, ils sont connus. En tout cas, le visage est connu. Est connu. Par contre, des candidats qui prétendent être l'alternative, leur visage n'est pas connu de plus de 5 000, 6 000 personnes.